Salut tout le monde, c'est Mushroom, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft qui va annoncer les différents modes que vous allez pouvoir retrouver dans ma prochaine aventure survival. J'espère que vous allez bien car moi je pète la forme et je suis très heureux de vous retrouver pour ce petit annoncement de mode. Alors petite information juste avant, j'ai pris environ une semaine voire une semaine et demie avec à peu près 2 à 3 heures par jour, avec week-end environ 3 heures dans la journée, ouais, pour concocter tous ces modes, à lire vos différents commentaires et également à faire le choix. Alors commençons par le début, Use Full Redstone. Petite parenthèse, là je vois qu'il y a un pseudo au fond, vous inquiétez pas, c'est le mode millénaire qui fait ça. Bon voilà, j'ai déjà un peu spot le mode, on comptera combien on a après, mais bon, il y en a pas mal du tout. Alors tout d'abord le Useful Redstone. Alors qu'est-ce que le Useful Redstone? Tout simplement, Useful Redstone, ça va permettre de créer maintenant des armures et des outils en redstone, et également une petite bombe que vous pouvez voir juste ici qui est très intéressante. Alors je vais proposer à chaque fois quelques petites missions juste en dessous du mode. Je rappelle également que les noms de mode seront dans la description, évidemment les liens n'y seront pas. Donc après c'est de votre côté de chercher un petit peu, je vous mettrai peut-être des liens de site internet. Enfin bref, commençons tout de suite. Alors j'ai proposé de craft le set d'outils. Donc en gros j'entends là par là pelle, faux, hache et pioche. Crafter l'armure redstone. Donc l'armure, je vous en viens par là, donc c'est casque, torse, jambière et bottes, plus épée redstone. Et également crafter 5 bombes. Je peux vous dire que cette bombe envoie du pâté. Mais vraiment hein, c'est un truc, c'est... Je vous en dis pas plus, si vous voulez faites vos recherches de votre côté. Mais elle est pas mal, elle est pas mal. Maintenant j'ai installé le mode Balcon Weapons. Alors je vais vous montrer un petit peu. Donc là avant c'est l'armure redstone, voilà, vous avez l'armure qui est là, le redstone TNT bomb, et maintenant le Balcon Weapons. Voilà ce que ça peut rajouter, plein de modes, des armes à feu, des boomerangs, des arbalètes, des dagues, des marteaux, des haches de combat, et voilà, c'est tout ce que ça rajoute. Alors j'ai proposé 3 défis également. Alors créer 3 armes, j'entends par là créer 3 armes. Donc c'est des armes au corps à corps, par exemple une masse, une hache et un couteau de lancer par exemple. Créer une arme à feu, donc arme à feu, j'entends par là tout ce qui est fusil à pompe, tout ce qui est mousquette with weapon, donc en gros ça c'est les fusils, et ou bien un pistolet. Je rappelle qu'ici il y a le canon. J'ai fait des tests de mon côté, ça n'a pas marché. Je vais retester après la Rico parce que si ça se trouve maintenant ça marche. J'ai installé un mode qui a permis de faire fonctionner un autre. Enfin bref, je verrai si ça marche. Si ça marche, je vous proposerai de le créer également. Sinon on s'en passera. Et maintenant, créer un boomerang. Donc un boomerang, c'est ça, c'est plus un lancer, un comme l'arc par exemple. Donc voilà. Donc ça, c'est différents défis que je me suis proposé pour ce mode. Maintenant, les bunny boots. Les bunny boots, c'est cet item-là qui est vraiment craqué. Je ne vous en dis pas plus. Il faut les craft. Il me semble que c'est pas trop compliqué, si je dis pas de conneries. Hein. Oui, il y a beaucoup d'eux, hein, je sais. Il me semble qu'il faut ça, il faut ça, et puis voilà. Bon, ça va. Il n'y a pas trop de choses à faire. Maintenant, le mode anti-plante virus. Alors, je pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui le connaissent. Enfin, bon, anti-plante virus, en fait, c'est un mode qui va rajouter un biome. Alors, juste autour de moi, vous pouvez voir qu'il y a différents arbres. Ça, c'est pas qu'un arbre, mon gars. Ça, c'est un pénis géant. Mais oui, il y a différents arbres utilisant les modes. Et donc, cet arbre-là, en bleu, c'est celui qu'il y a dans le mode anti-plante virus. Alors, c'est un biome, en fait, qui a rajouté des mobs et qui va rajouter également des équipements, etc., etc. Donc, malheureusement, le mode est en anglais, donc j'ai pas tout compris. C'est pour ça que j'ai utilisé seulement une partie du mode. J'entends par là, les mobs, les équipements, bon, je les mets un peu de côté. Mais voilà, alors, j'ai dit, découvrez le biome. Parce que c'est dur de trouver le biome, parce qu'effectivement le mode de biome que j'utilise à côté, etc., c'est pas facile d'en trouver un. Déjà, découvrez le biome. Ensuite, c'est vaincre les boss du biome, parce qu'il y a des boss dans le biome. Et je peux vous dire que même en créatif, j'en chie. C'est pas rien, je veux dire, c'est vraiment compliqué. Et enfin, créer un friend skeleton. Alors, qu'est-ce qu'un friend skeleton? En fait, c'est pas ça, hein, je vous rassure, c'est en fait un squelette qui cette fois-ci sera votre allié, ça peut être pas mal. Voilà, donc les différents défis. Je ne me suis pas lancé dans le craft des équipements, etc., parce qu'il faut des pierres spéciales, etc., etc. Les wing boots, c'est des bottes assez spéciales dans le mode, mais les bunny boots sont beaucoup plus intéressantes, donc c'est pour ça que j'ai pas proposé de les crafter. Maintenant, le biome, le mode extra biome XL, donc découvrir 5 biomes, bah voilà, bah si on serait, je devrais dire découvrir 5 biomes, bah normalement il y aurait peut-être un biome, voilà, avec ce genre d'arbres géants, les arbres, par exemple, multicolor, l'arbre pink, et puis plein d'autres biomes encore. Découvrir 5 biomes différents, c'est déjà pas mal du tout, sachant que dans ce mode, je crois qu'il y en a une dizaine, voilà. Ça nous permettra de nous balader un peu sur la map, et puis voilà.
Maintenant, le mode Twilight Forest. Alors, qu'est-ce que le mode Twilight Forest? Tout simplement, c'est un monde parallèle, par exemple, comme le Nether ou l'Ender. Sauf que là, cette fois-ci, c'est dans ce monde-là que vous allez retrouver des arbres géants comme celui-ci. Et il y a également divers boss. Alors, je voulais juste vous préciser quelque chose. Le Twilight Forest, c'est un mode que j'ai ajouté à l'aventure, mais je ne l'utiliserai pas forcément. Par exemple, si l'aventure dure une trentaine d'épisodes avec tous les modes que j'ai déjà installés là, et je conviens, enfin, selon mon avis, ça sera suffisant. On n'ira pas dans le Twilight Forest. Si en revanche, l'aventure aura plutôt duré vers les 15 épisodes, il sera possible pour moi d'aller dans le Twilight Forest. Donc, c'est-à-dire le Twilight Forest, en gros, ma mission principale, ce sera pas de me casser la tête. Donc, je vais vous montrer un peu l'inventaire. De chercher à visiter des biomes, à crafter des choses, à faire ci, à faire ça. Moi, je me casse pas la tête, j'y vais en mode random. C'est bim, tu démontes tous les boss. Voilà, je vous en dis pas plus au niveau des boss. À vous de faire vos recherches de vos côtés. Maintenant, le Project Zulu. Alors, qu'est-ce que le Project Zulu? Tout simplement, c'est ce mode-là qui va rajouter plein de mobs à l'aventure. Il y a également des armures. Les armures, je m'y intéresse pas trop parce que, bon, comme vous voyez, je passe dessus, il n'y a pas d'informations. Donc, je sais pas ce que ça vaut, combien d'armures ça donne, les effets que ça donne, etc. Donc, je m'en passerai. Par ici, j'ai une sorte de clé, je sais pas à quoi ça sert. J'ai ici un Limit Mob Spawner, je sais pas à quoi ça sert. C'est pour ça que juste en dessous, vous ne voyez qu'il n'y a pas de proposition. Ça, c'est toutes ces potions-là, il y en a la masse. Regardez ça, il y a tout plein de potions. Je ne vais pas les utiliser non plus parce que je ne sais pas du tout à quoi elles servent, comment les craft, etc. Le Project Zulu va juste nous permettre d'avoir plus de mobs en face. Donc, en face, je dis bien évidemment adverse, que de mobs alliés. Voilà. Au moins, ça donnera un peu de piment à l'aventure. Maintenant, le mode millénaire. Alors, le mode millénaire est un mode très, très sympathique et également très complet qui va nous permettre, en fait, d'interagir avec des villageois, à voir des villages, tout simplement. Donc, alors, comment vous dire, millénaire, ça va nous permettre également. Donc, voilà, comme j'ai dit, alors, pardon, excusez-moi. Je rétablis l'ordre dans ce monde, d'accord ? En fait, ça nous permet d'interagir avec des villageois, comme je l'ai dit, également de remplir des quêtes, et puis d'avoir des grades, d'échanger de la monnaie, etc., etc. Alors, je vous montre un petit peu le mode millénaire, voilà tout ce qu'il y a dedans. Ici, c'est la monnaie, les différentes armes. Alors, les différentes armes et équipements, on va les utiliser, hein, évidemment, pour exploiter ce mode au maximum, parce que j'ai décidé de placer un peu mon aventure, axer quand même un peu sur ce mode, qui est très sympathique. Alors, le but, c'est de découvrir deux villages, de devenir chef d'un village, et de piller un village, motherfucker. Faut que je me renseigne encore un peu sur le mode. S'il y en a qui connaissent bien le mode, qui pourraient m'expliquer, par exemple, j'ai entendu comme quoi on pouvait mener une attaque contre un autre village avec votre village. Peut-être que j'ai des conneries, je sais pas. J'ai cru entendre quelque chose comme ça, mais j'aimerais bien le faire si c'est possible. Donc n'hésitez pas à partager vos informations dans les commentaires, je les lis tous. Voilà, donc ça c'est un peu le mode millénaire qui sera très intéressant. Alors maintenant, plus d'aliments. Alors, j'ai proposé un défi, c'était découvrir une maison sucrée, mais il y a également... donc déjà plus d'aliments, ça rajoute plein de nourriture comme vous pouvez le voir. Vous voyez, il y en a pas mal du tout. À savoir que je me suis mis comme avis personnel de goûter à la moitié des nourritures. Mais bon, je vais pas le noter parce qu'effectivement vu le nombre qu'il y a, on va pas les compter et les énumérer sur une feuille de papier. Mais en gros dans l'idée c'est ça, c'est vraiment essayer d'exploiter un maximum ce mode et de découvrir une maison sucrée. Qu'est-ce qu'une maison sucrée? C'est tout simplement des maisons qui spawnent aléatoirement. Il y en a pas mal sur la map donc ça va pas être trop compliqué d'en trouver une. Et dans ces maisons généralement vous allez trouver des gâteaux, des coffres remplis de nourriture, etc. Donc voilà, ce mode est plutôt sympa. Maintenant le mode Bosscraft 2.0. Alors, petite parenthèse de ce mode, il y a un problème avec ce mode, j'ai pu le remarquer. Puisqu'on joue avec le mode Extra Biomixel, et ben ce mode là est ben beaucoup moins présent puisque les modes les mobs de ce mode, donc les monstres de ce mode, n'apparaissent pas sur les biomes du mode Extra Biomixel. C'est pourquoi il va être compliqué de le faire, mais je vais essayer. Donc en gros, il faudra trouver des biomes montagne par défaut, des biomes plaines par défaut, enfin bref, plein de biomes qui existent par défaut pour retrouver ces mobs là. Alors dans ce mode, qui est juste ici, bon, les œufs sont noirs et verts, faut savoir qu'il y a plein de petits mobs qui se baladent sur la map, qui sont vraiment pas cool du tout, parce qu'ils t'enlèvent du 5 cœur à 6, et dessus on va dropper des items. Ces items-là vont nous permettre de craft un super boss, et ce super boss va nous donner, je crois, plein d'équipements, ou... si je dis pas... Bon, je peux pas vérifier mes sources, mais en tout cas ça peut être sympa, vaincre ce genre de motherfucking équipement. Ouais, de fucking boss, pardon, ça nous proposera un peu de difficulté. Donc vaincre 3 boss du mode. Ici, le mutant créature que j'ai enfin réussi à installer. Alors, j'ai pris une journée à l'installer. Au début, je savais pas, en fait, il fallait ajouter un petit APM ou un truc dans le genre. Bref, c'était assez compliqué. Je m'y connais pas très bien dans les modes en plus, mais j'ai réussi à l'installer. Le mutant créature, qu'est-ce que c'est possible qu'ils ne connaîtraient pas? Parce que c'est possible qu'il y en ait qui ne connaissent pas, malgré que ce mode soit très connu. Ça rajoute des motherfucking créatures à l'aventure. Alors,
Je me suis placé comme but vaincre tous les mutants. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'installe le mode, donc j'ai pu le tester avant de faire cette petite vidéo 5 minutes. Alors je sais pas comment vont spawn les mutants via le mode Extra BMXL. Donc je vais déjà faire mes petites recherches encore dessus. En plus de ça, je ne sais pas trop comment fonctionnent les crafts d'items. Parce que par exemple, là vous avez l'armure squelette. J'ai vu qu'il y avait des équipements... où est-ce que j'ai eu ça? Voilà, ici vous avez plusieurs trucs qui se drop sur le squelette. Donc je me suis dit peut-être avec ça vous pouvez faire des crafts, je suppose. Donc je me suis dit craft l'armure squelette, mais bon, peut-être ça fonctionne autrement, donc je ne sais pas. Et il y a également cet équipement que j'ai envie de faire, c'est l'Ender Soul Hand. Donc ça je sais qu'on le drop sur le zombie mutant. Ça c'est un truc que nous donne le creeper. Je sais pas comment on l'obtient, mais bon, je vais faire mes petites recherches. Et je voudrais craft ça. Donc si peut-être il y a une recette de craft, notre but sera de la crafter. Sinon si c'est un drop... Bah bon, on s'en fout un petit peu, on va le laisser de côté, on va essayer de s'en obtenir une. Donc du coup ça revient à vaincre tous les mutants, soit le mutant Enderman, le mutant zombie, le mutant creeper et le mutant squelette, qui est la toute nouveauté du mode mutant créature. Et maintenant les autres modes, alors ça c'est des modes un peu à part. Donc il y a le Rise Minimap que vous pouvez voir en haut à droite de mon écran, qui permet de voir un peu... alors attendez voir, qu'est-ce que j'ai mis comme touche? Je cherche une touche. Attendez, je vais la trouver. Bon, attendez, on va faire un calque config. Alors, toggle zoom, j'avais mis haut, d'accord. Donc, ça nous permet de voir un peu la map aux alentours, vous voyez. Donc, si ce qui est à gauche de la map, là, c'est un énorme trou. Avant, j'ai testé la TNT bombe, la redstone TNT, pardon. Bon, voilà. Donc, ça nous permet de nous orienter un peu sur la map nord, sud, ouest, est. C'est pas mal du tout. Ensuite, il y a Matmos. Donc, Matmos, c'est ce bruit de vent, d'oiseaux ou autre. D'eau aussi que vous pouvez entendre. Alors, attendez. Bon, là, ça marche pas. Attendez, ça va marcher, vous inquiétez pas. Bon, ça marche toujours pas. Alors attendez, je vais faire comme ça. D'accord, il me chie la honte ce mode, décidément. Bon, c'est pas grave. En gros, Matmos, ça rajoute des sons. Ça nous permet de nous immerger dans l'aventure. Je trouve ça plutôt sympathique. Maintenant, il y a le mode Footstep. Donc lui, c'est pareil quand je marche. Vous entendez, ça fait des différents bruits. Donc en gros, également, ça rajoute des bruits de pas. Le dommage indicateur, donc maintenant, je vais vous faire spawn un petit villageois, par exemple. Ça nous permet en fait de voir la vie du villageois à gauche et de nous indiquer également qu'est-ce que c'est comme mob, si c'est offensif, passif ou tout simplement un villageois pour interagir avec. Il y a le Wheel Cave 3, donc qui nous permet, donc ici c'est un mode décoratif qui nous permet d'embellir les grottes, qui est plutôt sympathique. Et pour finir, Optifine, qui me permet d'optimiser mon Minecraft. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura bien expliqué les différents modes qu'il y a dans cette aventure. Si vous avez des défis par exemple à me proposer, j'entends par là pour le mutant créature, pour m'expliquer un peu comment ça fonctionne, je suis très ouvert à vos propositions. Sinon les autres défis sont plus ou moins faits. Je voulais vous remercier d'avoir participé dans les commentaires à m'avoir aidé à choisir quelques modes, notamment le mode millénaire, le mode Twilight Forest, le Extra BMXL, le Balcon Weapons, et les autres après j'ai un peu fait de mon côté. Le plus d'animaux aussi a été pas mal demandé. Le mutant créature je m'en souviens pas, possible. Enfin voilà, je voulais vous remercier d'avoir participé à ça. L'aventure devrait sortir peut-être d'ici une ou deux semaines. Tout dépend des recherches que je vais faire, peut-être des problèmes de mode qu'il aura encore, de compatibilité ou autre entre eux. Et puis sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour mon aventure. What the fuck. Allez sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.